Même de l'autre côté de la terre, le prince William pense à ses enfants. Si le duc de Cambridge a été obligé de laisser George, Charlotte et Louis pour se rendre au Pakistan avec Kate Middleton, il les a emmenés en pensée. Mardi 15 octobre, les Cambridge ont visité le parc de Margalla Hills Natuona. Dans cet écrin de nature verdoyante, le prince William a fait une adorable confidence au sujet de prince George. Il a révélé que son fils aîné adorait les animaux. Et en particulier les lézards. Le personnel a montré au couple royal un diaporama d'animaux trouvés dans le parc, notamment des léopards, des lièvres et des porcs épics. Et devant une photo de ce reptile, le prince William a lancé « George adorerait ça ». Quelques heures plus tôt, le duc et Kate Middleton ont visité le collège pour filles d'Islamabad. Sur place, plusieurs élèves ont expliqué au prince William qu'elle était de grande fan de S. Hammer. Une tendre évocation de Lady Di, à qui il a d'ailleurs prévu de rendre hommage au Pakistan. Oh, si est-il très gentil de ta part. J'étais aussi un grand fan de ma mère. Elle est venue ici 3 fois. J'étais très petit, a répondu l'époux de Kate Middleton. Et dès sa descente d'avion, lundi 14 octobre, la duchesse de Cambridge a voulu rendre hommage à la princesse de Galles. Kate Middleton était vêtue d'une tenue signée Catherine Walker et inspirée de la chalwar kameez, la robe traditionnelle du Pakistan. Une sublime robe au ton bleu qui n'a pas manqué de rappeler aux journalistes britanniques quelques tenues portées par la princesse Diana pour sa visite officielle au Pakistan, en 1991. Tout comme Lady Di, Kate Middleton va donc veiller particulièrement à faire honneur aux habits du pays durant son voyage officiel. Times through the rough times I